bienvenue à ce premier numéro de Tout Jeune Tout Foot de l'année 2013. Après notre balade le mois dernier en terre espagnole à la recherche de jeunes talents camerounais, le Boeing Tout Jeune Tout Foot nous conduit ce soir jusqu'en Hongrie où nous attend une étoile montante du football camerounais, Hervé Tchami. Yeah yeah, yeah yeah, Hervé Tchami est le benjamin d'une famille de 5 footballeurs professionnels internationaux camerounais. Outre Hervé, on peut ressortir dans cette famille, c'est un grand nom ayant marqué le football africain et camerounais en particulier. A l'instar de Joël Tchami, ancien pensionnaire du Hertha Berlin en Allemagne, Bertrand Tchami, légende et historique de Reims en Ligue 1 française, Alphonse Tchami qu'on ne présente plus, emblématique numéro 9 des Lions Indomptables et de Boca Juniors en Argentine. Et par ailleurs, l'un des rares joueurs africains à avoir été coéquipier de Diego Maradona. C'est donc dans ce contexte d'une famille bourrée de talents que le jeune Hervé viendra au monde. Yeah yeah, yeah yeah, Hervé Tchami voit le jour le 20 février 1988 à Fopuanga, localité située à quelques kilomètres de Bafang, dans le Honkam, à l'ouest du Cameroun. Très tôt, le jeune va fouler les pelouses de la ville de Bafang et se fera remarquer très rapidement par les pisteurs de la Kadisport Academy de Douala, qui est actuellement l'un des plus grands centres de formation de football au Cameroun. Le jeune âge d'Hervé laisse ses parents dubitatifs. Ceux-ci s'opposent donc à son enrôlement au sein de la KSA. Ce qui représentera pour le jeune garçon une grosse perte. Adolescent, Hervé Tchami est envoyé à Yaoundé chez sa grande sœur Hortense Tchami, également footballeuse internationale camerounaise. Le but ici pour Hervé est de terminer ses études. Déjà au lycée, il est approché par la mythique formation de Jeunesse Star, club qui a formé de nombreuses icônes du football camerounais, à l'instar de Jean Demarcoun, Modeste Mbami ou encore Joël Tchami. Au sein de Jeunesse Star, Hervé survole toutes les catégories du club et sera repéré en 2003 par les recruteurs du Hertha Berlin en Allemagne. Yeah yeah, yeah yeah, 2003, Hervé Tchami dépose ses valises au sein du centre de formation du Hertha Berlin. Dès son arrivée, le dépaysement est démis. Il peut néanmoins compter sur le soutien de certains joueurs africains issus de la même promotion que lui, tels Kevin Prince et Jérôme Boatin, évoluant respectivement aujourd'hui au Milan AC et au Bayern Munich. Le jeune Camerounais fera donc ses classes pendant 4 ans dans la réserve du Hertha avant d'être transféré en 2007 au sein d'un autre club de Bundesliga, le Hamburg SV, club au sein duquel il passera 3 belles années. En 2010, Hervé Tchami livre son premier match en tant que professionnel aux côtés des stars du ballon rond tels Raphaël Van der Vaart, Timothée Atouba ou encore Emile Penza. Yeah yeah, yeah yeah, En 2010, le jeune Hervé conquiert déjà le cœur des Allemands, mais a encore du mal à s'affirmer de par son jeune âge. Il est donc transféré en Hongrie, dans le célèbre club de Budapest Honvéd. Dès lors, le jeune milieu de couloir explose. Virevoltant sur les côtés, il va rapidement s'imposer comme l'un des maillons forts du dispositif du club, contribuant ainsi à la qualification de son équipe pour le tour préliminaire de Ligue Europa. Actuellement, le Budapest Honvéd occupe la 5e place du championnat hongrois et joue actuellement les quarts de finale de la Coupe de Hongrie. Hervé Tchami compte à son actif 11 matchs pour 3 buts marqués et 4 passes décisives depuis le début du championnat. On note au passage qu'il fait actuellement partie du 11e type de l'année 2012. Yeah yeah, yeah yeah, Hervé Tchami représente aujourd'hui l'une des valeurs sûres du football camerounais. Formé à l'école allemande, sa frappe du pied gauche est d'une précision et d'une puissance rare chez certains footballeurs africains de son âge. Outre la précision sur les frappes, on peut aussi noter un bon contrôle de la balle et une vitesse considérable dans les déboulés sur les côtés. Et si ce joueur de 25 ans était le Salomon Elembe que le Cameroun recherche depuis quelques années, ça, seul l'avenir nous le dira. Et bien évidemment, à l'instar de ses frères, le jeune Hervé Tchami caresse le rêve de défendre un jour
les couleurs du Cameroun lors d'une phase finale de Coupe du Monde.